Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. You seem to have found all the ore pieces used in the transom. Go to the choir and find the rest. Aye, sir. C'est bien, on a un mec qui nous guide. Plus qu'à voir si c'est un mec cool ou pas. Alors. Agrippa guide Veillère. Veillère me provoque depuis l'autre monde. Je lui ai confié la véritable raison de mes efforts et il insiste encore. Ah non, j'ai lui ai. Non, je comprends pas. Et il insiste encore à ce que je relâche Agrippa. Qu'un homme si intelligent et si haut placé puisse montrer un tel manque de compassion me dégoûte. Je ne peux pas me séparer d'Agrippa, qui est et qui a été pendant des siècles mon seul lien avec l'au-delà. Veillère affirme qu'il fait de son mieux pour me libérer de mon exil, mais pour m'aider, il a besoin que je lui remette d'abord Agrippa. S'il était sûr de son plan, je le ferais volontiers. Mais comment pourrais-je m'en séparer si mon retour m'était refusé? Je sais de quoi ils sont capables, je connais leur tromperie. L'optimisme est un des sentiments les plus désespérés, mais je me dois de le garder. Je dois préparer sa libération. Pour relâcher Agrippa sans le massacrer, Veillère m'a dit de le nourrir avec un tonique conçu à partir d'un paralysant, d'essence vitale et de tamter. L'hémicète toxique devrait servir de paralysant si j'arrive à trouver la glande interne d'un grand spécimen. Le cœur devrait, semble être une terre fertile pour cette espèce. Je devrais ensuite être capable d'en extraire le contenu avec les outils appropriés. Comme d'habitude, l'essence vitale peut être extraite du sang de n'importe quelle victime humaine torturée. J'ai juste besoin de grandes quantités pour la distiller proprement. Rappelez-vous de la collecter lors de la prochaine session de torture. Le tempteur, quant à lui, devrait être plus difficile à obtenir. Je ne pense pas qu'il en existe dans ce monde. Le simple fait d'écrire le mot avec ses lettres semble faux. Je crois que c'est une propriété de la sécrétion de Kaint qui vit dans l'eau. Je devrais en parler à Veillère car elle devra me fournir un autre. De même, un puits bien préparé devrait suffire à le contenir. Donc apparemment, c'est du tamter que j'ai chopé. Donc il me reste du sang et des mycètes toxiques. Qui viendraient de... je sais plus quoi. Ah oui, c'est ça. Alors... oui... 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 voilà, bon, un mélange. Tout ça, tout ça. J'avais déjà une partie. C'est cool, hein. Cœur. Allez mon cœur, c'est parti. Quelle ordure, pensa-t-il. Les bons hommes peuvent se réjouir de leur départ car ils ne sont rien d'autre qu'un fardeau pour l'humanité. Ils ne manqueront à personne. Ah, c'est joli. Du coup, je me méfie. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Ooh. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander. You must let me be. I have to concentrate. Paint the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come. Please, I didn't do anything. Yeah. Cut the lines, paint the man, cut the lines. Please, the man cries. Okay. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Okay.
tout va très bien. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Ah ouais. On a carrément des flashbacks de ouf quoi. Avant c'était juste des petites voilà. Ah. Non. Coupez le monsieur. Marche pas. Tant pis. Je vais essayer. Pardon. Alors. Cœur ou le principal? La peur le submergeait à nouveau. Il cherchait à nouveau la bouteille vide du ladanum. Frustré, il la brisa contre le pied du lit. What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. C'est un mec qui se promène. Alors là, deux lits parfaits. Je sais même pas ce que je cherche, j'avais des morceaux d'or. Là. J'espère qu'ils vont briller bien de loin parce que. Bon. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. Eh bien. Parfait. Ah bah encore. Ils ont attaché les extrémités des membres du meurtrier au rayon de la roue. Ils ont consciemment fait tourner la roue lentement pour que la corde attachée autour de sa jambe s'étire et lui fende l'os. Ils n'avaient plus la force de crier. Les deux hommes se regardèrent, saisirent le marteau et frappèrent la victime dans la poitrine au cours d'un ultime acte de pitié. Oui. Ok. Allez hop, un petit morceau. Que deux. Enfin deux.
Oh, c'est chiant qu'il y a le Robert qui se promène là. Souple devrait pouvoir se brécher. Ouais, glande de poison. Une vache? Oh mon dieu, une vache. Ah oui. C'est pas une gentille petite vache d'amour, hein. C'est que ce bordel. Alors qu'on le forçait à entrer, le traiteur ne savait pas quoi penser du taureau en bronze. C'est seulement lorsque la chaleur du feu commençait à lui brûler la peau et à lui rôtir la chair qu'il réalisa que sa tombe était scellée. Ses cris perçants de douleur faisaient écho à l'intérieur de la chambre en laiton et ne diffusaient à travers l'instrument complexe qui était la tête du taureau. À l'extérieur, les hommes pouvaient entendre le taureau de bronze bramer. Ah bah parfait. C'est dégueulasse. C'est très drôle. C'est dégueulasse. Et sinon, plus qu'un morceau d'orbe. Connaître les ingrédients qu'il nous fallait là. Je sais plus exactement ce que c'était.